Par l'Apocalypse illustrée, une artiste désire vous montrer les visions fantastiques décrites de façon vivante dans le livre de l'Apocalypse. Au travers de cette présentation, nous espérons que vous partagerez la découverte passionnante d'un Dieu puissant et merveilleux qui est au contrôle de toutes choses. Apocalypse illustrée a été réalisée pour glorifier le Seigneur alors que sa parole est vue et entendue. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Apocalypse 1, 3. Aux environs de 96 après Jésus-Christ, Domitien était l'empereur de l'Empire romain. Il ordonna que tout le peuple l'adore en tant que Dieu. Ne pas s'exécuter signifiait la persécution à différents degrés. Les chrétiens, bien entendu, refusèrent. Ils souffrirent et moururent à cause de cela. L'apôtre Jean avait été banni et se trouvait sur l'île de Patmos, une petite île déserte de la mer Égée. Pendant son exil, Jean reçut ce message de promesses merveilleuses destiné à tout le peuple de Dieu, du premier siècle jusqu'à la fin des temps. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Les chapitres 2 et 3 contiennent les messages de Jésus pour chacune des sept églises de la province d'Asie. Ce sont des messages de vérité qui peuvent être appliqués aux assemblées d'aujourd'hui. Chacun se termine par le commandement « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises ». Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal.
au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Ils chantaient d'une voix forte. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui trouve chantait. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut
donner. Le troisième saut, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître Saint véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût comblé le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. L'ouverture du septième sceau amènera des désastres pires encore sur la terre. Mais les serviteurs de Dieu recevront d'abord une marque spéciale qui les désignera comme propriété de Dieu. 144 000 personnes de toutes les tribus d'Israël, ainsi qu'une grande multitude que personne ne pourra compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple,
et de toute langue. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Lorsque chaque ange sonnera de sa trompette, des jugements supplémentaires tomberont sur la terre et ses habitants. Ils détruiront terriblement le sol, la mer et toutes les créatures vivantes. Mais les personnes avec cette marque spéciale, le sceau de Dieu, seront épargnées. Le reste de l'humanité, qui ne sera pas décimée par ces fléaux, refusera encore de se repentir et de se tourner vers Dieu. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Il n'y aura plus de délai. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et l'ange me dit, « Prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêt le sac. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. » Lorsque les deux témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les tuera. Mais après 3 jours et demi, Dieu les ressuscitera et les enlèvera au ciel sous les yeux de leurs ennemis. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. » Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle.
un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et l'enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secoue la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et le dragon se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant : qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre contre elle? Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Il ordonna aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple. Ils étaient revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des autres êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Les coupes du jugement seront les dernières et les pires de toutes. Elles seront infligées à ceux qui porteront la marque de la bête et qui adoreront son image. Ils blasphémeront le nom de Dieu et refuseront de se repentir et de glorifier celui qui est au contrôle de tous ses jugements. Lorsque le dernier ange versa sa coupe, une voix venant du trône dit « C'en est fait ». Ensuite, un ange me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, Mystère. Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Thank you.
vit le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. La bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles.
demi, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne put plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Un des sept anges qui tenait les sept coupes, rempli des sept derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de nuit. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Je fais toutes choses nouvelles. Oui, je viens bientôt.